Bonsoir très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. Je dis un grand merci à tous ces téléspectateurs, surtout ces jeunes entrepreneurs qui nous écrivent du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Gabon et même de la RDC qui pensent à nous. Et merci surtout pour tous ceux qui nous suivent aussi. Là je vois à l'est de la RDC, je vois Goma, Bukavu, je vois l'Ituri. Je leur dis un grand merci. Je vois aussi le Katanga. Merci pour vos encouragements. Ce soir, nous avons un nouveau numéro du magazine Data Market où nous recevons un entrepreneur, un jeune rodé qui va nous partager son expérience de son domaine d'activité qui est l'entrepreneuriat. Et là, je vais vous le présenter. Bonsoir, Boni Maya. Bonsoir, Safo. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Boni Maya, vous êtes entrepreneur. Ma première question est, tous les jeunes me posent, et j'en profite pour vous la poser, vous qui êtes entrepreneur, comment vous pouvez définir l'entrepreneuriat? Est-ce que l'entrepreneuriat doit être dissocié du business ou l'entrepreneuriat est un élément inclus dans le business? Alors déjà, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est le business. Donc, c'est fait pour une raison bien donnée. Soit une raison de gagner de l'argent, de générer du cash, soit une raison de remplir un besoin. Là, on parle de l'entrepreneuriat social, remplir un besoin de société. Et j'ai parlé de l'entrepreneuriat qui permet de générer du cash. Donc, on a l'entrepreneuriat du cash. On a également d'autres modèles d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat par nécessité, pour ceux qui vendent, par exemple, les cacahuètes au coin de la rue, qui veulent poser une table au coin de la rue, vendre des cacahuètes et pouvoir nourrir les enfants qui sont restés à la maison. Donc il y a différents modèles d'entrepreneuriat et en soi l'entrepreneuriat c'est remplir un besoin tout en générant soit du cash ou soit une certaine satisfaction. Voilà. Et pour ceux qui disent que un entrepreneur est un simple commerçant, qu'est-ce que vous répondez? Juste un commerçant? Un entrepreneur n'est pas un simple commerçant parce que je dis qu'il y a des entrepreneuriats sociaux qu'on peut faire où on ne vend rien, on ne vend aucun service. Donc il faut bien évidemment bien délimiter l'entrepreneuriat du commerce. Le commerce c'est autre chose, l'entrepreneuriat c'est autre chose. L'entrepreneuriat ça peut être également du commerce. Donc on peut avoir un entrepreneur qui fait du commerce, mais qui fait du commerce avec une certaine valeur ajoutée. Par exemple, quand on l'appelle entrepreneur. Dans l'entrepreneuriat, c'est faire une activité avec une valeur supplémentaire. Il y a ces derniers temps dans les réseaux sociaux une petite polémique qui se développe entre ceux qui font le commerce simple, qui vont à Loufou, qui vont acheter des biens de première nécessité. Eux se disent que nous sommes entrepreneurs parce que nous achetons, vendons, nous faisons l'art strict du commerce. Mais vous, à vous entendre parler, c'est cette valeur ajoutée, cette spécificité, ce langage-là, le fait d'être sur Internet. Non, pas forcément. Qu'est-ce que nous devons comprendre? L'entrepreneuriat n'est pas forcément fournir un service sur Internet, c'est différent. Mm-hmm. L'entrepreneuriat, c'est fournir un service avec une forte valeur ajoutée. Mm-hmm. Les commerçants, il y a des commerçants qui peuvent être entrepreneurs, ok? Des commerçants qui vont à Loufou, qui reviennent, qui donnent une certaine force et une certaine valeur au fait de vendre leurs produits. Mais il y a ces commerçants également qui sont restés à la phase des années passées, qui vendent comme on vend n'importe quoi, quoi. Ils vendent, ils gagnent du cash et puis ils en font autre chose, ok? Donc un commerçant peut être entrepreneur si seulement si, au-delà de l'action de vendre, il y a une autre valeur qu'il impose sur le produit, qu'il impose sur le service. Non, mais là où nous sommes d'accord, l'entrepreneuriat, c'est du business. Donc, vous devez gagner de l'argent. Non, pas exactement, parce qu'il y a également des entrepreneurs sociaux qui existent, qui ne gagnent pas de l'argent, mais qui remplissent des besoins de société avec une certaine satisfaction. Ils peuvent avoir une satisfaction personnelle d'abord, ils entreprennent pour aider les enfants démunis, par exemple, et au-delà de ça, eux, ils sont contents. Ou bien, ils peuvent aider les enfants démunis
et obtenir des subventions d'une certaine manière, que ce soit auprès de l'État congolais ou bien des fonds auprès de la Banque mondiale, ainsi de suite. Donc il y a des nuances qu'il faut merci pour étudier. Cette nuance. Maintenant, nous, par rapport à Data Market, nous allons vraiment rester dans l'aspect lucratif où la personne fait une activité pour générer des bénéfices pour son entreprise et la faire évoluer. Une petite question. Comment devient-on entrepreneur? Pour tous ceux qui nous suivent en Afrique, les jeunes se disent, oui, Boni Maya est entrepreneur. Comment on devient? Comment il est devenu entrepreneur? Alors, au départ de toute chose, il y a d'abord le besoin. Il y a d'abord le vide qu'il faut remplir. Il y a le besoin de société qu'il faut remplir. En RDC, si nous voyons bien, nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de difficultés. Et toutes ces difficultés sont des opportunités d'entreprendre. Parce que nous pouvons apporter des solutions. Et des solutions à forte valeur ajoutée. J'aime souvent donner des exemples dans mes conférences. J'aime souvent donner l'exemple des chaussettes, par exemple. Tous les hommes congolais mettent des chaussettes. Tous. À part ceux qui mettent des mocassins à temps partiel sans chaussettes, mais tous les hommes congolais ont des chaussettes à la maison. Quelles sont les marques des chaussettes congolaises que vous connaissez? Il n'y en a aucune. Tous les hommes congolais mettent des cinglés. Tous. Quelles sont les marques des cinglés congolaises que vous connaissez? Il n'y en a aucune. Tout est importé. Et pourtant, au Congo, nous avons 80 millions d'habitants, ce qui fait pratiquement 40 millions d'hommes. À Kinshasa, nous sommes entre 8 et 12 millions d'habitants, donc prenons 8 millions d'habitants, ce qui fait 4 millions d'hommes. Donc rien que dans la ville de Kinshasa, vous avez 4 millions de clients potentiels qui peuvent acheter vos marques de chaussettes et vos marques de cinglés. Mais il n'y a aucun entrepreneur congolais qui a mis en place une marque de chaussettes ou une marque de cinglés congolaise. Vous voyez la difficulté? Tout est importé. Alors déjà là, c'est une opportunité. C'est un vide qu'on peut remplir, qu'un entrepreneur peut remplir. Et l'entrepreneur qui remplit ce vide le premier va rester dans la tête de gens et du coup il va faire son argent comme Polo a fait son argent, comme Bic a fait son argent, et ainsi de suite. Donc, l'idée d'entreprendre doit commencer par l'idée de remplir un besoin de société, un problème ou une difficulté de société qui existe. Derrière les solutions que vous pouvez apporter, vous identifiez les solutions qui sont à vos cordes. Je m'explique. Vous avez les différents besoins que nous avons en RDC, les besoins que les jeunes entrepreneurs peuvent écrire, peuvent noter, lister tous les besoins en question, et à chaque besoin, ils peuvent proposer plusieurs solutions. Faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Et analyser les solutions et se dire, ok, moi, je suis par exemple étudiant, parmi les solutions à apporter face à ce besoin, moi, je peux apporter telle solution parce que je suis apte à faire ceci, à faire cela. Et cette solution, je vais l'apporter de cette manière. Du coup, la solution qui doit apporter au besoin, avec toute la machine qu'il va mettre derrière, c'est ça son entreprise. Vous voyez? Donc c'est au départ pour remplir un besoin, pour trouver une solution à une difficulté. C'est ça le problème avec la plupart des entrepreneurs congolais, c'est que au lieu de remplir le besoin, au lieu de vouloir apporter des solutions à une difficulté, et ils voient plutôt le cash que cela va générer. Donc ils ne veulent pas remplir forcément une difficulté, ils ne veulent pas remplir forcément un besoin, mais ils veulent plutôt engranger du cash en vendant un service ou un autre produit. Et du coup, si personne n'est là pour acheter, ils tombent faillite. Et là, les téléspectateurs vont vous poser une petite question. Quel est le vide qu'a constaté Boni Maya pour combler ce vide en entrepreneuriat? En partant de votre propre expérience. Alors, quand vous entreprenez, on vous dit d'abord de trouver. Il y a des financiers qui vous diront, si vous voulez qu'ils financent votre projet, ils vous diront trouvez-moi 10 personnes dans votre famille qui sont prêts à vous donner $100 pour ce projet-là. Ok, il y a des gens qui font ça. Et moi, je dirais plus quand vous voulez entreprendre, quand vous voulez créer un produit ou un service pour votre entreprise. Il faut savoir si vous-même vous êtes à mesure de consommer ces produits-là ou de consommer ces services-là. Ok? Ça, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, le besoin d'entreprendre, c'était d'abord pour remplir la difficulté que moi j'avais, pour donner une solution à la difficulté que moi j'avais. Moi, j'ai une base d'informaticien, donc je suis développeur informatique et j'ai réalisé des logiciels pour des grandes entreprises. Du coup, je travaille beaucoup, du matin au soir.
Ma femme est project manager également, donc elle gère des projets informatiques dans une grande boîte de la place. Elle également, elle travaille beaucoup. Donc du coup, quand nous sommes mariés au départ, il y a de cela quelques années, nous n'avions pas le temps pour aller faire les courses. Donc chaque soir en rentrant du boulot, quand je passais la récupérer, en rentrant du service, on devait s'arrêter à quitter un magasin, visiter tous les supermarchés qu'il y a à quitter un magasin pour acheter de l'eau, du sucre, du sel, ainsi de suite. Et moi, j'étais déjà fatigué de ma journée, que je devais aller continuer à la maison. Elle était également fatiguée de sa journée, qu'elle devait aller continuer à la maison. Alors, face à ces difficultés-là, nous nous sommes dit, OK, pourquoi ne pas mettre en place une plateforme informatique qui nous permet, nous, de commander, de passer nos commandes sur Internet et d'être livrés sans bouger de nos bureaux ou sans bouger de d'où que l'on soit. Alors, moi, avec ma base informatique, j'ai analysé le sujet, j'ai mis en place le site imart.cd en février 2016. J'ai mis en place le site le 2 février 2016. J'ai pris $300 à l'époque. J'ai donné à un étudiant, un stagiaire de l'ESIPA, qui était en stage chez nous, qui étudiait à l'ESIPA. J'ai lui donné $300 de fonds de roulement, une tablette. J'ai configuré une adresse email dans cette tablette qui recevait automatiquement les mails à chaque fois que nous passions une commande. Et je lui ai dit, dorénavant, quand tu reçois une commande de ma femme ou de moi, sur ta tablette, tu vas acheter les produits, tu livres où elle l'aura décidé. Tu vois, donc c'était pour remplir un besoin, pour répondre, pour offrir une solution à une difficulté que moi-même j'avais, que ma femme avait. Ok? Du coup, ça fait de ma femme ma première cliente. Tu vois les concepts? Oui. Ça fait de ma femme ma première cliente. Donc mon foyer est le premier client de imart.cd. Ma femme a commandé le 6 février, elle a recommandé ensuite, elle a recommandé. Et à force de recevoir ses produits à son service, ses collègues se sont intéressés à la solution. Ils se sont dit, OK, tiens, demande la permission à ton mari si nous aussi nous pouvons passer nos commandes. Les collègues de ma femme ont passé les commandes, les amis des collègues de ma femme ont passé les commandes, les amis des amis des amis des amis, et ainsi de suite. Aujourd'hui, imart est ouvert à tout le monde. Donc, très beau concept. Voilà, partant d'une difficulté que j'avais, que j'ai développé une solution pour ces difficultés-là, et aujourd'hui, cette solution est à la disposition de tout le monde. Donc, le tout premier élément dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que ce besoin que vous avez peut être comblé et que cela peut déjà satisfaire ceux qui sont dans votre propre famille. Voilà, ça c'est l'essentiel, c'est l'idéal. C'est le meilleur des tests même. Voilà. Donc, vous testez par votre propre famille si cette utilité ou cette solution à un problème est viable pour vous-même pour les apporter, parce que vous prenez l'expérience de votre propre femme était votre première cliente qui a trouvé la solution à partir du bureau, elle pouvait passer le commande et ses amis ont vu cela. Jeune entrepreneur, partout vous nous suivez en Afrique, vous-même vous êtes dans l'entrepreneuriat, Bonnie Maya est en train de nous formater, de nous faire comprendre que l'entrepreneuriat arrive pour combler un besoin. Ce besoin doit être réel, ressenti dans votre propre communauté. Et là, il part des besoins réels qu'il avait, fatigué du travail, il devait rentrer avec sa femme pour acheter à manger ou des besoins de première nécessité pour les foyers dans des supermarchés vers magasins. Et là, naît une solution. Mais vous aviez cette aptitude en tant qu'informaticien. Vous avez pris un langage informatique pour trouver une solution. Mais pour ceux qui n'ont aucune aptitude, comment se découvrir? Alors déjà, il faut avoir fait les études. C'est très important. Ensuite, il faut noter aussi un fait, parce que la plateforme que j'ai bâtie, c'est sur base de mon expérience professionnelle. Donc, je suis expert en développement informatique et je suis également d'un côté expert en marketing digital. Donc, la symbiose de tout ça fait en sorte que la solution que j'apporte puisse marcher, puisse réussir. Alors, aujourd'hui, nous avons les entrepreneurs qui commencent, c'est vrai, certes, ils commencent très tôt, ils sont en G1, ils sont en G2, ils se lancent. Mais ils se lancent avec un handicap. Ils n'ont pas toute la connaissance qu'il faut, ils n'ont pas la notion qu'il faut, ils n'ont pas la maîtrise de ce qu'ils font. Et du coup, ils tripotent. Et
c'est fait, c'est répand de plus en plus dans l'entrepreneuriat congolais. C'est-à-dire que beaucoup de gens tripotent un projet parce que c'est bien de tripoter. Mais après, il faut se former, il faut se donner du temps, il faut se donner de la discipline pour trouver des formations adéquates, pour trouver des personnes adéquates pour nous guider dans le chemin qu'on aura choisi. Comprenez? Donc, derrière le projet d'entrepreneuriat, il faut que vous ayez une base en termes de formation, une base en termes de connaissances dans le chemin que vous avez choisi. Si vous voulez entreprendre en e-commerce, ben, ayez au moins une force de vente. Il faut maîtriser la notion de commercial, il faut maîtriser la notion de service après-vente, gestion clientèle, gestion de stock, gestion de la logistique, ainsi de suite. Parce qu'après ça, l'entreprise a une vie et cette vie de l'entreprise va vous demander, vous manager, de pouvoir mettre en place un système qui fonctionne. Si vous-même manager, vous n'avez pas ces notions-là au départ, à la base, vous ne saurez pas mettre en place un système qui fonctionne dans votre entreprise et du coup, vous allez perdre soit beaucoup d'argent, beaucoup de clients et n'est pas avancé. Bonnie, nous ouvrons une brèche. Vous qui œuvrez dans le e-commerce, on peut le dire, hein. C'est quoi le marketing digital? Le marketing digital, c'est le marketing tourné vers tout ce qui est canaux internet. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est réseaux de communication collaborative, les WhatsApp et tout ça, tout ce qui est mobile, device de téléphone et tout ça. Mais déjà, il faut avoir des bases. Si déjà en vrai, je ne sais pas vendre un produit, est-ce que je peux y arriver sur le net, sur le digital? Oh bon, ça dépend, hein. Il y a des gens qui savent, qui peuvent facilement se débrouiller derrière un clavier que face à face, quoi. Mmh. Donc ça dépend de la personne. Mais on n'est pas obligé d'avoir une forte notion de vente pour pouvoir vendre sur Internet. Tout dépend des arguments, tout dépend de ses forces, quoi. Comment se porte eMart? E-Mart se porte très bien. Nous avons développé d'autres plateformes en ce moment. Il y a eShop, il y a eMall que nous sommes encore en train de développer. Nous sommes en train de grandir. E-Mart se porte très bien en ce moment. La vie d'un entrepreneur, c'est beaucoup de sacrifices. Hein. La dernière fois qu'on se parlait au téléphone, vous preniez votre véhicule pour aller à Mwanda. Racontez-nous comment ça s'est passé. Parce que les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est une vie dorée, il y a l'argent, tout vous est facile. Mais vous, chef d'entreprise, vous prenez votre véhicule pour aller acheter de la marchandise vers Mwanda. Racontez-nous. Alors, l'entrepreneuriat, c'est bien, il y a d'autres personnes qui donnent la définition de l'entrepreneuriat en disant que c'est faire ce que tout le monde ne peut pas faire aujourd'hui pour vivre comme tout le monde ne pourra pas vivre demain. Donc, c'est faire beaucoup de sacrifices en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de sacrifices humains, donc certains avantages familiaux et tout ça, qu'on est obligé d'oublier, de priver des enfants de ceci, de cela. Pourquoi? Parce qu'on veut construire un avenir meilleur demain. Alors, donc, comme je disais, dans l'entrepreneuriat, il y a également le commerce qu'on fait. Moi, par exemple, c'est le commerce que j'ai fait d'une autre façon, avec une autre valeur. Et nous avons développé une autre plateforme qui s'appelle eShop.cd qui fait de la vente de cosmétiques bio. Donc les huiles essentielles, les poudres végétales et puis et d'autres produits. Et parmi les produits que nous vendons, je donne un exemple comme ça, je donnerai pas tout mon parcours de Bakongo, je donne un exemple comme ça. Nous vendons par exemple la poudre de baobab. Moi j'importe la poudre de baobab du Bénin. Ça me coûte 1$ le kilo et j'importe également l'huile de baobab. Alors, ce qui est bête, c'est que j'importe la poudre de baobab alors que entre Boma et Mwanda, il y a tout plein d'arbres de baobab. Il y a des fruits de baobab qui tombent comme ça, que personne ne ramasse et qui sont à la disposition de n'importe qui. Il suffit de ramasser ce fruit, de le broyer et de le vendre. Vous imaginez? Alors, du coup, ayant cette information-là, j'ai pris mon volant, je suis allé découvrir les différents fruits de baobab qu'il y avait sur la route, les arbres, comment je pouvais trouver les bons produits, comment je pouvais les acheminer sur Kinshasa, comment je pouvais les traiter pour réduire d'abord mon prix de revient et pour réduire également le prix de vente auprès de la clientèle et ne plus importer la poudre de baobab du tout, quoi.
Donc, ce sont les sacrifices que je fais. J'ai pris moi-même le volant pendant 12 heures aller, 12 heures retour. J'ai découvert également d'autres produits que je pouvais mettre sur ma plateforme là-bas, entre autres les différents poissons qu'il y a au Mwanda, que nous pouvons faire venir ici, bien entendu, avec une chaîne de froid bien étudiée en avance. Et du coup, puisque la route est en amélioration en ces moments, donc c'est une opportunité à saisir. Voilà. Bonnie, en t'entendre parler, vous faites des sacrifices, mais vous connaissez aussi des sérieuses difficultés. Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans votre parcours d'entrepreneur? Alors, parmi les différentes contraintes, il y a d'abord le plus grand problème, l'éducation. La clientèle qui est éduquée à consommer sur Internet est très réduite. Donc, je dirais moins de 5% de Congolais sont éduqués à consommer la vente sur Internet, les produits vendus sur Internet. C'est bien, mais c'est insuffisant pour l'instant. Donc, nous travaillons sur une stratégie d'éducation de notre clientèle. Et c'est une question qui prend beaucoup de temps. Ça prend vraiment du temps, mais ça avance. Alors, à passant, nous avons une autre difficulté sur la logistique. Comment acheminer les produits auprès de nos consommateurs, auprès de nos clients finaux. Nous avons mis en place une plateforme, un service par exemple de livraison qui s'appelle Tinda, qui aujourd'hui livre e-mart, livre e-shop, mais livre également d'autres e-commerçants sur Internet. Tout ce qui vend sur WhatsApp, les groupes Facebook, tout ça peuvent maintenant livrer avec Tinda. Nous sommes en pleine expansion. La semaine prochaine, nous devons encore recruter des motards, donc ça marche très bien ici. Et puis, nous avons également des soucis par rapport à tout ce qui est, comment dire ça, service public. Les gens qui vous arrêtent pour demander un 500 francs, un 200 francs, tous ceux qui sont en tenue de militaire qui vous exigent ceci, vous exigent cela, à chaque passage, à chaque barrière, des choses comme ça. C'est vrai que nous pouvons partager, bien sûr, mais nous, ça nous grignote nos heures de livraison et ça rallonge les délais de livraison. Donc, ce sont des points sur lesquels il faut travailler également. Nous trouvons une solution, mais bon, c'est pas encore l'idéal. Nous travaillons sur ça. C'est enrichissant la manière dont vous êtes en train de partager. Mais selon vos propositions, pour que le e-commerce se développe, pour que l'entrepreneur se sente à l'aise dans l'exercice de ses activités, chacun dans son domaine, qu'est-ce qu'il faudrait? S'il faudrait proposer aux autorités, proposer à ces structures, à ces plateformes qui puissent vous accompagner, qu'est-ce qu'il faudrait pour réussir, pour que les autres n'aient pas à trouver les difficultés que vous avez rencontrées? Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne me remets pas à ces plateformes qui existent. Pourquoi vous ne trouvez pas l'opportunité? Non, c'est pas que je ne trouve pas l'opportunité, c'est ça. Mais je ne me limite pas à ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'Indien, il arrive au Congo. Au bout de 2 ans, il devient millionnaire. Le Pakistanais, il arrive au Congo. Au bout de 2 ans, il devient millionnaire. Le Chinois, de même. On est dans les mêmes conditions. Nous sommes dans le même pays, avec les mêmes difficultés, les mêmes contraintes, la même galère. Ok? Ils exercent, ils dépensent des énergies pour que leur système marche, pour que leur marché marche, pour que leurs affaires marchent. De la même manière, un Congolais également doit faire de l'effort pour que ça marche pour lui. Et ils ne sont sur aucune plateforme qui les aide, qui les subventionne, qui les oriente, patati patata. Pourquoi un Congolais devrait dépendre de ces plateformes-là? Si un Pakistanais qui ne connaît pas les Congos arrive et 2 ans après devient millionnaire, moi, Congolais qui suis au Congo, je peux aussi devenir millionnaire sans dépendre des plateformes qui existent. Donc, tout est question de vision. Tout est question de vision, de motivation. Donc, comment faire naître cette vision et cette motivation? Bon, certaines personnes disent get rich or die trying, donc devenir riche ou mourir en essayant. Bon, chacun a son maître mot.
Bon, mon maître mot, c'est entreprendre. Donc, il y a des difficultés devant moi. Quand je trouve une difficulté, soit j'en crée, je transforme ces difficultés en opportunités, soit je contourne la difficulté pour continuer mon chemin, quoi. S'il faudrait classifier ou évaluer Imart par rapport à ce qu'elle a réalisé, parce que vous avez commencé début février 2016 jusqu'à aujourd'hui, quelle est la santé de Imart? Alors Imart se porte très bien. Imart se porte très bien. Quand je dis très bien, c'est vous dire que nous n'avons aucun arriéré de salaire à payer. Tous nos agents sont verts. Nous avons aucun arriéré de loyer à payer. Tout est ouvert. Nous louons d'autres bureaux. Nous achetons d'autres engins. Nous achetons encore du stock. Ça marche très bien. Avec l'État congolais, vous êtes en ordre. Nous sommes en ordre. Nous avons tous les documents qu'il faut. Nous sommes en ordre. Bonny, vous allez parler à ces jeunes qui vous suivent de l'Afrique, qui vous suivent partout dans le monde. Ces jeunes qui aspirent à être comme Bonny Maneya, parce que nous vous retrouvons maintenant dans un programme télévisé où vous coachez des futurs jeunes entrepreneurs. En tant que coach, parce que vous l'êtes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Donc, ce partage qui fera de certains qui vont nous suivre un déclic pour se tourner vraiment focus à l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Vous avez fait des études. Vous devez peut-être renoncer à vos rêves de trouver un emploi par rapport à ces études. Il y a vos parents qui vous disent, je vous ai envoyé à l'université, maintenant tu dois te marier, trouver une femme. Donc, vivre ses rêves en tenant compte de ses propres contraintes, du milieu. Qu'est-ce que tu peux les partager comme... Parce que toi, peut-être, tu as eu la chance, tu avais une femme qui te comprenait, tu étais déjà marié, tu étais chez toi, mais il y a la plupart d'entrepreneurs avec certaines difficultés qui dépendent des parents, qui ont certaines réalités, qui n'ont pas encore trouvé de l'emploi. Mais au lieu de se concentrer à trouver du travail, lui se concentre à créer son propre business avec tout ce qu'il demande comme difficulté. Il doit être aidé par un oncle, par une tante, pour essayer d'abord de vivre. Qu'est-ce que tu peux dire à cette catégorie de personnes? Alors, je dirais deux choses. La première des choses que je dirais, c'est tout être humain, qu'il soit congolais ou pas, qu'il soit africain ou pas, tout être humain a deux besoins, deux besoins essentiels. Le besoin d'être et le besoin d'avoir. Le besoin d'être et le besoin d'avoir. Le besoin d'être joli, par exemple, d'être bien habillé, d'être élégant, d'être diplômé, des choses comme ça. Et le besoin d'avoir. Le besoin d'avoir une maison, le besoin d'avoir une voiture, le besoin d'avoir une famille, le besoin d'avoir une montre, ainsi de suite. Alors, si vous trouvez la stratégie ou la solution ou la formule pour remplir le besoin d'être ou le besoin d'avoir à un maximum de gens, à un maximum de monde possible, vous avez trouvé votre business. Donc, trouvez des solutions, trouvez des formules pour remplir le besoin d'avoir et le besoin d'être à un maximum de gens possible. Vous avez trouvé votre business. Des deux, je dirais, quand on vend, beaucoup de Congolais utilisent trop de stratégies, trop de complications, trop de formules magiques pour vendre. Mais à eux, je leur dirais, essayez de vendre d'abord au cœur de votre client. Vendez d'abord au cœur et son cerveau va suivre. Ne vendez pas à son cerveau parce que son cerveau est très... Tu connais les Congolais sont très intelligents. Donc je dirais aux jeunes entrepreneurs, quand vous êtes face à un client, vendez d'abord à son cœur et son cerveau va suivre par la suite. C'est tout. Parce que le cerveau suit les cœurs. Donc, il faut persuader le cœur. Voilà. Donc, attirer la personne à accepter le produit. Créer même ce besoin. Voilà. Créer le besoin, appâté par l'image du produit. Parce que quand on regarde le produit congolais aujourd'hui, le branding des produits congolais, je prends un exemple bête. Regarde par exemple le jus de tangawis qui sont vendus à travers la ville. Le jus de tangawis de marque congolaise. Quand tu regardes le branding, tu vois que le branding, il te donne même pas envie de consommer les produits. Mm-hmm. Ok. Alors qu'il y a des jeunes infographes qui sortent de l'ISIPA qui peuvent te faire une belle affiche
que tu imprimes, que tu mets sur ton produit, et du coup, rien que l'image là va faire consommer le produit. Et cette image, elle est belle, elle touche le cœur, le cerveau suit le cœur, l'argent sort de la poche. Donc, je ressens à chaque fois quand tu parles cet aspect de culture. Il faut être cultivé pour être entrepreneur, hein. Oui, c'est important. C'est important parce qu'il faut être inspiré, il faut avoir des bonnes idées, il faut avoir des bonnes stratégies à mettre en place, des bonnes formules. Il faut avoir de la connaissance, il faut avoir des relations. Et sans ça, vous ne pouvez pas entreprendre. Hein. Bonnie Maya, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans notre magazine Data Market. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre participation à ce numéro? Je sais que vous passerez aussi dans d'autres numéros. Alors déjà, c'était très difficile que tu puisses m'avoir. Normalement, je ne devais pas être là aujourd'hui, donc j'ai retardé un peu mon voyage. C'est toujours un plaisir de passer dans tes émissions. Ça, c'est trop réfléchi. Il faut bien réfléchir pour répondre aux questions. Mais bon, c'est toujours un plaisir également de partager ce que l'on connaît, ce que l'on maîtrise. Et voilà, on maîtrise pas tout non plus. Donc, on a beaucoup de difficultés nous-mêmes. On a beaucoup de vides qu'il faut combler. Et on va les combler avec le public. Merci beaucoup, Bonnie Maya. Je vous en prie.